tout le monde, c'est Dahlia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de la Pokémon Lune en Let's Play Découverte. Et la dernière fois, on s'était arrêté avec l'histoire du coup de l'Ultra Brush et des Ultra Chimères. Et on avait aussi obtenu l'épreuve de Barbara. Interstice du rêve. Par contre, Barbara elle nous a pas dit comment s'appelait sa gemme. La Flora Zélite. Ok, d'accord. J'aime pas avoir un nouveau. Estocorne. Personne ne l'apprend, mais c'est des types acier. Sympa. Bon, ouais. Ok. Ok, ok. Alors. Il y a quelques années, personne n'apprend. C'est très intéressant sur les ultra brèches. Maud il s'occupe de la... de la Poké Loisir. D'accord. Ok. Alors, lisons ses recherches. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à lire. Alors, c'était il y a environ 3 mois. Je voulais voir le professeur Pimprenel pour tenter d'en savoir plus sur Doudou, Cosmog. Mais je me suis perdu en chemin et j'ai fini par tomber d'épuisement sur la plage. C'est là que le professeur Pimprenel m'a recueilli. Elle a écouté mon histoire jusqu'au bout, malgré l'heure et la fatigue. Elle a même persuadé son mari, le professeur Euphorb, à me loger et m'aider à me percer le mystère de Doudou. Pour moi, le professeur Pimprenel est un peu comme une deuxième maman. Trop gentil. On peut y aller? C'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Dahlia? Si les ultra chimères existent vraiment, je me demande bien quel genre de capacité elles peuvent avoir. Bon, puisque tu en as fini avec les trois épreuves, il ne te reste plus qu'à défier la Vainakala. Un duel contre la frangine Alexia, je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alexia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topiker. Bonne route à toi. Oh, et fais gaffe à la Team Skull. Hein. Moi, je vais rester un peu pour discuter avec le professeur Pimprenel. Moi, je vais foncer au tunnel Topiker. Ce sont des Topikers qui l'ont creusé, non? Ok, go. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Une ultra brèche. On dirait une brèche dans le ciel. Dahlia, tu as réussi les trois épreuves de capitaine. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à traverser le tunnel Topiker pour rejoindre Alexia. Pour trouver le tunnel, retourne au centre Pokémon de l'entrée, pas très loin. Mais fais gaffe, c'est assez facile de le rater. Ouvre l'œil et regarde bien les panneaux. Vive le Pokémon. Eh oui. Tunnel Topiker. Ça c'est les mecs Fondation Weezer. Et elle c'est Alexia. Oh mais c'est Dahlia. Quel bon vent t'amène. Ce tunnel, c'est pas de la rigolade. Sans rien, je n'ai jamais vu autant de Topiker réunis au même endroit. Par contre, des dresseurs trop confiants qui ressortent en larmes. Enfin, comment va ton tour des îles? Fais voir un peu tes cristaux Z que t'as. Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de Barbara. Chapeau bas, Dahlia. Tu devrais être assez forte pour traverser le tunnel et en sortir en un seul morceau. Je tiens une boutique à Konikoni, de l'autre côté du tunnel. On se retrouve là-bas. Ok. Bon. Bah écoute. Pokémon. Bien évidemment des topiqueurs, hein.
Mais on en a plein, donc bon. Du coup, elle maîtrise les Pokémon roches. Bonne dresseur. Oh, regarde. Oh, regarde. Topiqueur. Ah. Après, peut-être qu'il y a des Pokémon roches, mais qu'ils ont un double type et que du coup je pourrais m'en servir contre eux. Le spay. Kuba. Au feu. Bah, l'effet que 28. Bon, j'aimerais que Planton évolue. Ah! Ah bah! C'est magnifique qui évolue du coup. Ah, cool. Ça, ça va être bien, ça. Notre Shiny. Qui évolue. Oh là là, ballon doré. Trop beau. Il est trop beau. Ouais, du coup, on a la forme Shiny dans le truc, quoi. C'est trop bien. Nickel. Une sombre boule. Ah, Formation User. Ouf. Les choses avancent depuis qu'Alexia est aux commandes. Voilà, là, nous sommes membres de la Fondation Heather. Nous œuvrons à la sauvegarde des Pokémon. Comme tu peux le voir, les Topiqueurs sont étrangement agités ces derniers temps. Nous soupçonnons un coup de la Team Skull. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. Ces voyous prennent plaisir à importuner les Pokémon, sans parler des honnêtes gens. Les Topiqueurs se déplacent à travers un réseau de tunnels qu'ils ont creusé pendant plusieurs années. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent continuer de les emprunter sans se faire constamment houspiller par d'autres Pokémon. Il reste encore beaucoup de Topiqueurs agités par ici. Fais attention à toi. Ok. Un objet? Non. Ok. Ah, ça craint. On était là pour glander, puis tout à coup, les Topiqueurs ont surgi nulle part. Et nous ont mis la pâtée. Sûrement la honte pour des brutasses comme nous de se faire brutaliser comme ça. Oh, je crave le seum, ça me donne envie de battre, de combattre le premier dresseur qui passe. Désolé pour toi, mais tu débarques au mauvais moment, au mauvais endroit. Oh, hey, Talia. C'était il qui parlait. Ah, j'ai cru que tu étais... Tu t'étais fait de nouveaux amis, mais en fait c'est juste la Team Skull. Comment ça? Que la Team Skull? Ce manque de respect, j'hallucine. Vous êtes allés trop loin, les mioches. Ça. Ah, c'est un double. Tritox et Mimantis. Plankton. Et la Pikachu. Alors. Ouais. Plankton 27. Tout parfum. Ah, tu gagneras pas comme ça. Hein. Malheureusement.
Gros, on n'est pas en forme, on vous apprendra à respect une autre fois. Faut pas nous prendre à la légère, dans la Team Skull, on est tous grave vénères. Salut, à la prochaine. Eh d'ailleurs, c'était sympa d'être du même côté pour une fois. Mon équipe était en pleine confiance avec toi. Doit une aura ou un truc comme ça. Tiens, histoire de fêter notre victoire. Des rappels. Ah non, 8 max. C'est une 8 max, eh oui. Allez, retourne en jeu avec les Topica. Ok, on est sorti déjà. Alors, une maison. C'est quoi? Ah, c'est la police. Eh, je ne peux pas te parler. Ah non. Ok. Bah, du coup, on peut pas lui parler. C'est pas grave. Oh! Ouais, d'accord. On se fait attaquer par les policiers maintenant. Avec la petite moustache, pour même. Christophe! Il envoie un Kalinos. Ah! On n'est pas trop à notre avantage. Je t'avouerai. Et il m'intimide. Ouais, bon. Hein? On va s'en aller. Oh, il est magnifique. Bon, ouais, chromique, j'avoue. Oh, the fuck. Gentiment. Faudra avoir feu follet. Et on serait bien. Bon là bah, ça marcherait pas, follet, mais... Mais tu vois quoi, tu vois le concept, n'est-ce pas? Ok. C'est pas des dresseurs ça. D'accord. Un objet. Un bel objet. Dresseur. Précision plus, hein. Très bien caché. D'accord. Alors du coup on peut aller là-bas. Je sais pas ce que c'est ici. La colline Memento, d'accord. C'est un... Ah oui, c'est un autre cimetière en fait. Ça c'est le dresseur. C'est marrant, c'est fait comme un labyrinthe. Rue purifiante. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Tout doudou. Acrobatie, c'est ce qui fait le plus mal. Ah ouais. Bon, j'espère qu'il passe, il évolue au niveau 30 quand même. Franchement, j'espère qu'il est plus au niveau 30 parce que c'est long. Plancton. Allez, acrobatie sur le coxyclac. Back punch. C'est nul. Chromiquet 25. C'est quoi? C'est elle la dresseuse? T'as quoi? On a l'objet là-bas. Faut faire le tour. Ah oui d'accord, il y a même des objets dans les tours. Elle m'a eu. Bois, bois, bois. Tant pis. Ça fait de l'XP.
Guerrilland. Ah! Ah bah lui on l'a pas trouvé au fait dans la jungle sombre en feuille. Bon c'est pas grave. Acrobatie. Doux baiser. La confusion. Et on se tape. Et je vais boucher. Ça l'a pas tué. Ah mais non, ça a pas du tout tué en fait. Oh! Oh non! La guérison. Allez, plancton! Tu peux le faire. Plancton! Débrouille 31. Bon, je pense pas qu'il évolue au niveau 31, Débrouille. Non. Bon, je veux l'objet là. Alors, une sort, ok. Alors, du coup, Plancton a pris trop cher. Oh, Brancelom! Ok, nice. Est-ce qu'il évolue? Niveau 28. Non, je crois pas. Non, sinon, ça passe à l'évolution, je crois. Ouais, c'est l'évolution prioritaire. Oui. Ok, donc toujours pas d'évo. Ici, on a quoi? La côte reculée, donc... Ah oui, d'accord. C'est encore une nouvelle zone. Ah, il y a une CT. Ok. Vampirisme! Ah oui, en plus, elle est très bien, celle-là. Et... Oh! Oh, c'est pété! Il apprend vampirisme! On a enlevé les chouilles, hein. Bien sûr qu'on enlève les chouilles. Waouh, mais c'est trop bien! Il apprend vampirisme. Ça n'a pas trop de sens, mais bon. Hein. Bon, par contre, je pense pas que ce soit par là. Hein. Si on regarde la carte. On peut pas zoomer. Si, c'est Y. Il y a un truc là-bas, mais je sais pas trop. Je pense que le mieux, c'est que j'aille à la ville de Koni-Koni quand même. Avant toute chose. Avant d'explorer là-bas. Puisque ma quête, c'est Koni-Koni. Là, il n'y a pas de Pokéball, non. Ok. Alors, on s'en va. Ah, mince. Ah non, faut refaire le tour. D'accord.
Pantominus, on l'a déjà. On n'a pas réussi. Il fait malédiction. Ah bon, on va mourir. On va mourir de la malédiction là, on a trop peu de PV. Plankton, rip. Plankton, rip. Voilà. Merde, c'est pas là. Bah. Ah! Ah, il y avait une boule là. Bon, de toute façon, on repassera par là tout à l'heure. Là, faut que je me soigne. Et on arrive à Koni-Koni. Koni-Koni. Ville de tradition japonaise. Clairement. Et il donne un cadeau. Ok. Alors là, il y a des boutiques. Ah, boutique d'encens. Ok, bon, c'est trop cher, mais oui. Ah, le massage. Voilà. Avec la même musique. Là, il y a une boutique de CT. Gonflette, choc venin, reflet, balayage, griffon ou un drac au queue. Ah, griffon sympa. Choc venin aussi. On verra qu'on aura plus d'argent de toute façon tout pour tout ça. Le coiffeur. Les vêtements. Ah. Oui, le bonheur. Mais bon, il doit bébé. Ah oui, il est attaché à moi. Bah oui, forcément. Ah, il vend quoi, lui? Ah, d'accord, il vend ça. Ok. Ok, ok. Là, c'est le manger. On peut y aller. Mais attends, ça, on va faire des combats non, là, dans ce truc là. Bon, on teste, on teste. Attendez, il y a un étage. Encore les backbars. Ok. Bon. On teste. Allez, on prend une table. Ah, le bar à ragoût, le fameux. Ça sert à quoi? Le restaurant en lui-même, à part défoncer du fric. Sarah. Ah, d'accord, il donne des petits cadeaux. Petit soin. Doudoudou.
On va faire le tour des PNJ. D'accord. Demande de l'atomiseur. Ok. Ah, Guru Tan. Ah oui, oui, mais on l'a pas vu lui. D'accord. Oui, en fait, il propose de rentrer des. Enfin, de capturer des Pokémon et leur montrer les données. Ok, pourquoi pas. De quoi? J'ai pas lu le début. Ah. Oui. Tiens, voilà mon Nosferapti. On en recapturera un plus tard. Il va nous donner un tétarte. Il s'appelle LOL A. D'accord. Spiralia. Bon, ça passe. Ok. Aquazélite, oui. Eh bien, du coup, on va sauvegarder dans ce 15e épisode. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, le pouce bleu, comme d'habitude. Bye bye tout le monde, à la prochaine.